Bye, à demain. La boutique ferme, alors je viens visiter avec vous. J'avais pas eu le temps de le faire encore, puis c'est tellement beau. Je voulais le faire ce matin, puis je rencontrais des personnes pour Sainte-Thérèse. Ça va être fantastique, mais regardez. Et oui, on a déjà décoré pour Noël. J'adore Noël et j'aime les décorations recyclées. Mais on a fait ça avec les sœurs du grenier d'Ernest. Puis regardez, ça, c'est notre village. Puis on pensait aussi à faire un présentoir en même temps pour moi. Fait que ça, c'est mon petit village. Tout est recyclé. Des fois, c'est des objets comme des boules ou des pattes de table qui sont recyclées. D'autres fois, c'est le bois. Mais viens par ici, regardez. Ça, j'adore. Ça va être très utile quand on va avoir une grange où on va pouvoir faire du patin et de la raquette. Ça s'en vient. Mais pour moi, c'est féerique. Les chevreuils, j'adore leurs chevreuils. J'en prends à chaque année. Ah! Mais il faut que je vous dise quelque chose. Toutes les décorations de Noël, sauf celles qui n'ont pas de prix, sont à vendre. Celles qui n'ont pas de prix, c'est celles que j'ai arrachées de prix pour les garder pour moi. Regardez notre beau sapin de Noël. Il est magnifique. Donc, toutes les décos dedans, c'est tout avec du bois recyclé aussi. Tout ça, on peut les prendre. Là, je vous dis ça, on vient de fermer la boutique. Ça sera samedi prochain. Mais je voulais vous regarder les beaux chandeliers. En même temps, ça fait des centres de table incroyables. Le maquillage est merveilleux. Aujourd'hui, Erika me disait que les gens demandaient quand est-ce que la nouvelle collection allait sortir. Lundi. On n'a pas finalisé encore le site et tout, et toutes les photos. Ça, c'est notre coin rouge avec la direction pour le pôle Nord. Et un autre sapin, celui-là, je l'avais peinturé avec Charles là, il y a 3 ans. On ressort des fois nos belles... Mais partout, il y a de la magie qui se passe. Non, on a sorti... Regardez-lui la laine d'alpaga. Ça, c'est la laine de nos alpagas, donc celle qui aime tricoter. C'est une laine hyper luxueuse. Et ça vient d'ici, donc ça vient d'être sorti. Je voulais vous montrer, je ne sais pas si vous avez vu nos nouveaux boîtiers, mais avec Maison Jacinthe dessus, c'est assez magique. Le Bookzine qui est sorti cette semaine. Le livre La Beauté qui va faire un très beau cadeau de Noël. Là, par ici, moi, ce que j'aime des sœurs du grenier d'Ernest, regarde, montre la fenêtre. C'est tellement beau, là. Et ça sur un cadre, évidemment, dans une fenêtre, mais ou juste sur un mur, ça fait vraiment une belle idée à faire chez soi. Une autre petite nouveauté, on est allé voir Marie-Ève de la savonnerie des diligences, donc elle nous a fait. Regarde, Louis, ton savon, il est ici, sexy Louis, mais en mini. Fait que tu pourras apporter ça à l'école après ta gym. Mais ça, c'est les bonbonnières, mais de savon. Puis ici, vous voyez, quand je parlais d'objets recyclés, mais c'est une planche à découper qui est transformée. J'ai une autre belle enseigne que j'aime beaucoup ici, du lutin qui vit ici, avec les belles chaussettes du lutin. Puis, ben là, évidemment, moi, ce que en ce moment, demain, dimanche, vous allez pouvoir nous voir à Drummondville. Je donne ma conférence. Il reste un peu de place, je pense. Et il y a la pop-up boutique qui va être là 2 heures avant moi, 2 heures après moi à Drummondville. On est au Festival Vegan aussi à Montréal. Notre boutique à Québec est ouverte. Puis, on a 150 points de vente. C'est pas tous les points de vente qui ont les produits, par exemple. Et toute la gamme complète, il n'y en a pas beaucoup. Puis là, je voulais vous montrer, regardez nos belles nouvelles. Celle-là, elle vient d'arriver aussi, les eaux florales. On avait la formule purifiante qui est arrivée. Puis là, on commence à avoir nos eaux florales sans étiquette. C'est de toute beauté. Là, je l'ai vu parce que Sylvain avait apporté son eau florale de romarin aussi. Je vais vous faire un guide cadeau aussi prochainement pour vous montrer, pour vous proposer des idées. Mais regardez les décos. Ça, c'est une pâte de table. Celle-là, je la garde pour moi. Mais magique. Donc voilà, mon petit tour. Mais regarde, Louis, ça aussi. Ça c'est un manche de hache. Puis ça va aller dans la maison parce que c'est trop beau. On a reçu notre miel aussi. Donc le miel de nos abeilles, tout est extrait avec amour. On fait tellement attention à nos abeilles. Et les masques arrivent dans 2 semaines, les masques au miel. Et voilà, donc venez faire un tour. Toute la déco est à vendre, puis sauf celle que je garde pour moi. Puis, à demain à Drummondville ou à Gatineau dans 2 semaines. En fait, pas dans 2 semaines, dans 8 jours. Bye!